Vas-y, une question. Est-ce que c'est un joueur de foot? Non, à toi. Est-ce que c'est un combattant de MMA? Non. Non. Est-ce que c'est un rapport avec ma mère? Non. Là, on ne sait pas, on ne sait pas. Moi, je pense que oui. Bande de merde humaine. Doucement, je vais te briser le bras. Vous avez vu qu'il y avait un siège vide ou pas? Il devait y avoir Ragnar, le Breton. Exactement. Non, il arrive. Il m'a rappelé là. Il m'a rappelé en retard. Et quelle est son excuse? Bon, je sais, frérot, pourquoi il est en retard. Vas-y. Il veut tout faire, frérot. Et faire stand-up, cinéma, présentation, free fight. Vendu et ce qu'il y a des bons, ce qu'il y a de très forts, c'est qu'il est nul de partout, frérot. Vous êtes dur. Oui, il excelle de partout. Il arrive à être éclaté sur scène, au cinéma, à la télé. Vous êtes dur. On verra s'il dira ça quand il sera là. Bah, il ne le dira pas. C'est en février son combat. C'est toi, t'es au courant un peu, non? Tout mon argent sur le mec qu'il affronte. On peut pas rire. Je vous annonce comment devenir riche. Vous mettez sur le mec qu'il affronte. À Bercy, t'as parié contre Cyril, toi? Contre Francis Ngannou, oui. Francis a gagné. Ouais, j'ai gagné. La côte est... Non, je rigole pas. Tu m'as fait part de l'argent. La vie de ma mère, je parie sur toi. T'étais à Bercy ou pas? Bercy, j'étais pas là, les amis, parce que j'ai une femme et des enfants. Mais j'étais derrière mon téléviseur. Non, je jouais. Salut les frérots, vous êtes des lâches. Mais je bossais en vrai. Tu nous as pas invités? De quoi? Non, mais j'ai... Ouais, moi j'étais là quand même, je suis en train de regarder sur mon petit écran. Ouais. En loge, après je suis allé jouer. Non, moi j'ai regardé, on a regardé. T'as un souvenir de cette soirée-là ou... Bah, bien sûr, attends. C'est vrai? Je commence à regarder les combats, son combat il a pas commencé, je vais jouer. Et ce combat, il est terminé. Ah là là. Ah merde, putain. Et est-ce que vous avez vu la Marseillaise et tout après, les images? Oui, les images de tout Bercy qui chante et tout. Ouais. En vrai, c'était énervé. Bah ouais, c'est ce qui t'a fait gagner. Et genre, en gros, dès le début, l'ambiance était chaud bouillante. Genre, ça faisait boum. On pensait qu'il y avait le métro qui passait en dessous. Hein? Parce que ça tremblait et tout. On disait, mon coach, il dit quoi? Ah, il y a le métro qui passe en dessous et tout. Non, c'était les gens, ils tapaient des pieds et tout. C'était une dingue. C'est quoi le truc, l'événement auquel vous avez assisté, qui était le plus fou dans votre vie? Ça peut être un concert, ça peut être un match de NBA. J'ai gagné, les amis. Concert de Michael Jackson en 97. Moi, j'aurais kiffé. Où ça, à Paris? Non, à Nice, Stade Herman, 97. 17 piges, je vais au concert de Michael Jackson. Ça devait être incroyable. Exceptionnel. C'est à l'époque, il était blanc ou noir? Je sais plus, je crois qu'il était gris. Ouais. Il était entre les deux, il n'avait pas complètement changé. Ça, c'est une bande des inconnus qu'on salue. Parce qu'il faut rendre les vannes. Voilà, oh, c'est vrai, très important. Très vite. Tu trouves un hashtag copie comique, mais je n'ai rien fait, les frères. C'est des blagues, une sorte de lala. Moi, j'aurais kiffé, hein, franchement. Michael Jackson, après, il meurt, quoi, 12 ans après. Ouais. C'est quoi le truc, toi, qui t'a le plus marqué? L'événement auquel t'as assisté? Un événement sportif auquel j'ai pas assisté. Pas forcément sportif. Le 3 septembre, premier événement UFC, franchement, c'était... Ouais. C'était incroyable, hein. Ouais, c'est dur d'aller... Ouais, franchement, en France, ouais. C'est ça qui est beau. En France, déjà, donc je parle juste de la catégorie sportive, il y a beaucoup de gens qui ont même dit écoute, la dernière fois que j'ai vibré comme ça un événement sportif, bon, je parle sportif, c'était à 98. Hein. Toi, l'événement de fou auquel tu as assisté et que tu retiens dans toute ta vie? France 98, j'ai assisté devant ma télé, franchement, c'était un bon spectacle. On a gagné la coupe, 3 buts, 2 buts de Zidane, moi j'étais content. J'avais 8 ans. Bah ouais, à 8 ans tu fais rien, on a un peu fumé. Ouais, c'est bon. Non, j'ai rien fait, j'étais sur mon balcon. Mais ce jour-là. Ça jouait la trompette, je sais même pas. Ouais, mais ce jour-là. Paul, ce jour-là, tout le monde était. Ah, content, merci, quelqu'un me pose la question. Paul, bien sûr. Bah en vrai, c'est assez récent, c'est un PSG Real. Ouais. Au parc, où en fait c'est en plein pendant Mbappé. Benzema, Mbappé il va signer, déchiré. Il va pas signer. Non. Il y a 0-0 jusqu'à la 89e. Ouais. Et Mbappé. Ah, il fait l'accélération. Que tout le monde dit va aller au Real, il marque 1-0 devant le club du Real. Le parc, vraiment, il était en folie. Vraiment, j'ai kiffé ce moment. Ouais, mais ça, en vrai, en performance, un truc de fou que j'ai vu, c'est un relais 4x100 mètres. La meuf qui remonte. 4x400. Les gars. Français. Oh, allez. Oh, le fils de pute. Oh, vraiment une merde. Voilà. Non, mais viens demain. C'est Michel qui sert. Michel. Pourquoi t'es en retard comme ça? Attends, faut expliquer quand même. Faut expliquer. Non. Envoie un message, il m'a dit qu'il était à l'école. Non, j'étais au théâtre. Théâtre. Eh oui, monsieur, comédien. C'est quoi le planning que... Ouais, non, mais en train de donner... J'ai donné
masterclass à des élèves de théâtre. Toi, tu as donné le masterclass ? Ouais, mais pas sur le métier, c'était plutôt comment approcher le métier. Voilà. En vrai, tu tombes bien, on était en train de... On avait parlé de Bercy et tout, et on se disait, on se demandait quel était l'événement de ouf qui t'a le plus marqué dans ta vie. Lui, il dit Bercy, évidemment. Lui, il dit Michael Jackson, concert à Nice. Lui, il n'a pas compris la question. Il dit France 98 devant sa télé. Je crois que c'était quand le FC Nantes avait été champion de France. Oh. À l'époque. C'est vrai, t'étais dans le stade ? Oui, j'avais un joueur de foot qui sortait avec ma mère et puis je t'emmerde. Voilà. Oh. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Ah putain, l'enfer. Vous connaissez les amours ou pas ? Oui. J'ai envie de faire les amis. Parce que là, il y a deux duos pas mal. J'ai envie de voir si toi, tu connais bien ton pote. Ouais. Et toi, tu connais bien ton pote. Ok ? Vas-y. Là, je m'adresse à Redouane. Et je te pose une question sur Jimo. Jimo, évidemment, tu l'aides pas. Redouane, à quel sport Jimo était-il vraiment fort plus jeune ? Au triathlon. Handball. Je sais pas toi, papa. C'est vrai. C'est vrai ? Ouais. T'étais vraiment chaud, il paraît. J'ai fait du handball pendant très longtemps, j'étais très très chaud, ouais. Ouais. Genre, c'était dur de te bouger. T'étais comment ? T'étais fit, quoi ? Non, il était fit, il est fitness. Fit. T'es mec, frère. Ah. L'arrivée de Limoges, il faisait 64 kilos, frérot. C'était une plume. C'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps, quand je commence dans les comédies clubs, c'est vrai que Jimo était plus mince que ça. Hey, c'est pas, c'est ce qui s'est passé. Mais je te préfère comme succès, ça. Le succès, ouais. La dépression, ouais. Hein je te le succès, l'argent, les invitations. Non, les repas, ouais, les repas. Arès. Deuxième question, pour voir si tu connais bien Jimo. Quel est le vrai prénom de Jimo ? Ouais, je connais très bien. Salim. J'ai deux prénoms, Jimo, Salim. C'est vrai ? Putain, comment tu sais ? T'es bon. Et Jimo, son premier, c'est Jinmo. L'orthographe, ouais, Jimo. Il y a une faute d'orthographe. Salim, son deuxième prénom. Ouais. Vous êtes des vrais potes. He's pay for you, hein. Vas-y, une anecdote, c'est quoi ça ? De quoi ? Pay for you ? Ah ben, quand on a démarré, il n'y avait personne pour payer l'addition. Il n'y avait que papa. Hein. Lui, il était déjà dans plein de business et tout. Ah ouais, j'étais déjà là. J'arrivais avec ma petite quicheta. Tu te rappelles le jour, enfin, la première interview que je fais, c'est avec toi sur BFM. Oula, oula. Je te jure, BFM, ils viennent au Paname. C'est le début du stand-up, c'est en train d'exploser et tout. Vous avez des belles carrières quand même. Fait une belle carrière, hein. Ouais. C'est beau. Hein. Ah, c'est vrai que c'est beau. Ouais, ça va. Dis-moi, est-ce que tu connais bien Redouane ? Quel poste Redouane occupe-t-il quand il joue au foot ? Tous, mais surtout attaquant. J'ai vu mettre des vrais buts. Hein. Ouais. Non, moi, je savais. Un vieux attaquant, mon frère. Non, non, moi, j'ai vu. Là, il est fit, là. J'ai vu avec Tranquille en plus ouais. Et mettre des vrais buts d'attaquant. J'ai marqué gros, comme Maradona, frère. Avec une surcharge pondérale, j'ai marqué gros. Ronald Gros. Gros ventre, grosses fesses et tout. C'est vrai, tu joues bien. Des vrais buts. Dis-moi, ouais, jeune. Redouane était-il patron de chicha, de grec, de taxiphone ou de GDF Suez ? Taxiphone. Ouais, c'est vrai cette anecdote. Cet enfant, il avait un taxiphone. Au début d'Internet, il m'a raconté des histoires de fous. Vas-y. Où il fallait que le mec il paye pour aller sur Internet. Ouais. Lui, il était dans son comptoir, il draguait les mecs. Il venait payer. Il draguait les mecs sur le café. Ouais. Les mecs, je les ai mis à Internet. Et sur Caramel, c'est moi, je l'ai dragué, ouais. Ok, d'accord. Je rigole, mais c'est du génie. J'ai fait livrer un mec de mon quartier, 3 pizzas, un paquet de Marlboro, une bouteille de coca, minuit, sur la canne-bière le soir. Il arrive comme ça, il croit qu'il y avait une meuf, on était tous là à l'attendre. Non, mais en même temps, le mec, il revient demain, il repaye pour mais avoir... c'est ça, moi, j'arrivais parce que... Le soir, ouais. Je parlais avec eux, ouais, t'aimes quoi j'aime bien les yaourts, moi aussi j'aime les yaourts à la fraise. Wow, ah, les yaourts à la fraise, c'est mais, tu rigoles, mais du coup, le mec, il revient comment demain, il repaye sa journée. C'était ça. Il veut voir si la meuf... C'était le dîner de camp, mais à ciel ouvert. Où est né Cyril Ragnard ? À la Roche-sur-Yon. Bien, ouais. Cyril compte une défaite en pro, combien de victoires ? 10 victoires et une défaite. Des stats il de est fou. Beau, hein. Ouais. Cyril, quel poste jouait Ragnar quand il joue au basket ? Parce qu'après, il va nous raconter, il a beaucoup... Arrête de montrer, frère. Arrête de montrer, t'as triché. De quoi, frérot ? Quel poste jouait Ragnar au basket, Cyril ? Il est fort. En 4 ? Non, 2-2. En 2 ? Je t'ai fait le signe avec les doigts. Ouais. Bah ouais. Ah merde. 2, ouais. En arrière. Un peu fillant, un peu vicieux. Et t'étais chaud, non ? Non, ça va. Bah t'étais à l'INSEP. Non, j'étais un bon petit joueur, mais j'étais pas... J'aurais pu faire une belle carrière, mais j'étais... Tu qu'une de tes mères, elle était avec Scottie Pippen. Attends. Et en parlant de ça, une dinguerie. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, c'est une dinguerie, tu sais, Jordan et Pippen, tu sais, il y avait eu des histoires, t'avais eu... Lui, il vient de voir... Histoire de chibre et tout, non, écoute. Oui. Et là, genre, le fils de Jordan,
il se tape l'ex-femme de Pippen. Putain, c'est beau. C'est une, de Jordan se tape l'ex-femme de Pippen. Il a vengé son père. C'est une dinguerie. C'est beau quand même. J'ai vu ça sur les réseaux, genre en mode photo dans la voiture et tout. C'est une dinguerie, bref. Les gars, j'ai un petit jeu qui s'appelle les Versus. C'est très simple. Je balance un Versus et ça part en discussion. Ali vs Tyson. Tyson. Sans hésitation. S'ils se mettent dans le ring tous les deux, ouais. Au top de leur carrière, ouais, je pense Tyson. Je pas la truc, tu vas voir que j'y connais très bien. Regarde, je vais te sortir une anecdote. Le dernier mec qui a démoli Ali... C'est Tyson qui l'a battu. C'est Tyson qui l'a mangé. Oui, oui, oui. Il lui a niqué sa mère. Et il est venu et dit c'est pour Ali. Mais vous l'avez il a sorti il n'y a pas longtemps là. Vieux comme ça, rapide. Bah, bah, bah. Non, mais Tyson a 20 piges, je crois qu'il n'y a personne qui l'arrête. Tyson est trop chaud. Il était sur un podcast. Genre en gros il a pleuré et tout en parlant de... Ah j'ai vu. T'as vu? Ouais. Pourquoi il a pleuré? Moi je kiffe ce mec. Il a pleuré parce qu'il était touché par la mort de Ali, tu vois, genre en mode il s'est remémoré son idole, son fan, son pote aussi, son frère, son grand frère. Toi t'es un mec qui combat... Il disait putain, excuse-moi je te coupe. Et qui fait des blagues, lui c'est un peu pareil. Tu sais qu'il est monté sur scène, Tyson. Tyson est monté sur scène. Qui est Tyson? Il a un one man de ouf. Il a un one man de ouf. Vrai ou faux? Il a un passage sur Brad Pitt, non? Il a un passage qui est exceptionnel. Moi, j'ai regardé. Il fait un stand-up où il raconte un peu sa vie. Ouais, voilà, il raconte sa vie. Non, mais c'est un stand-up. Et il raconte que, tu sais, à l'époque, il sortait avec une actrice américaine. J'ai complètement folle, qui lui faisait prendre du mercure pour que lui pète les plombs. Voilà, tu se mets là. Ouais. Et un jour, il offre une voiture à l'actrice. Il est à la maison, il voit la voiture rentrer. Elle se gare. Et il la voit bouger la tête dans la voiture. Et il se dit, ouais, c'est l'autoradio cassette, genre, elle écoute de la musique. Et il descend, elle est en train de CU, c'est un mec. Non. Attends, lui, écoute la fin de l'anecdote. Le mec, il dit, je sors le mec, et le mec, beau gosse de ouf, c'était Brad Pitt. Tout est vrai, hein. Et il le raconte sur scène. Je sais pas si je dois le frapper ou le faire sucer. Pas de Brad Pitt. Tyson. Et il raconte l'anecdote sur scène, et c'est archi marrant. Ah, je savais pas qu'il s'était fait cramer en flag. Jeune, mais il savait pas. Quoi. Moi, je pensais que Brad Pitt qui voit voir Tyson, il a dû se chier dessus. Je pense que tout le monde se chie dessus. Ça, mais c'est lui tombé. Il savait pas, lui. Il repart avec une meuf, mais dès qu'il voit Tyson arriver, tu comprends? Moi, je savais pas. Je pensais que lui, il avait appris Tyson que. Non, il fait le flag, il l'attrape, il le raconte sur scène. T'imagines, frérot? Tu t'es fait pépon par la meuf de Tyson. Il savait pas s'il devait taper. Et t'es sorti vivant. Ou s'il devait. Il l'a frappé, non? Que Brad versus. J'étais tellement beau gosse, c'est la vanne. Deuxième versus. Arrête. Jordan vs LeBron. LeBron James. Jordan. Tu vois, ça, c'est. Poto, c'est les bagues qui parlent. Vas-y, explique-toi. T'as 20 secondes. Les bagues. Il a gagné toutes les finales. L'autre, il a gagné que quand il était dans une équipe de super bons. Frérot, l'autre, il a gagné tout seul. Vas-y, laisse-le répondre. Il a 5 bagues. Il a combien de bagues, LeBron? Il y en a 4, 5. Non? 4. Non, il n'a pas 4-5. Il y en a 4. Il a quoi? 2-3, combien de bagues? On s'en bat les couilles, c'est pas les titres qui font la carrière. Il a combien de bagues? Avec 3 équipes différentes. Frérot, l'autre, il a tout gagné. Il a tout gagné, avec... de quoi? Mais il connaît pas le basket. Il est parti, il est revenu, il a arrêté, il a fait un peu de golf. Pas seul tout. Il a fait du golf, du baseball. Il a arrêté pour faire le baseball. Il a fait une année de baseball, il avait arrêté sa carrière, il est revenu avec 45. Non, mais moi, je suis Team Jordan aussi. Dès qu'il est revenu, il n'était pas tout seul dans son équipe, Jordan. Excuse-moi quoi? Oui. Ils avaient une équipe de bata. Non, là, la basket, c'est quand même mon domaine. Vas-y. Bon. LeBron James. Titre avec Cleveland, titre avec les Lakers, titre avec Miami. Il s'est jamais arrêté une fois. Il fait plus Poto de rebonds, il fait plus de passes. Miami. Il marque plus de points. Miami. Oui. Il y avait qui dans l'équipe à Miami? Dwayne Wade. Il y avait qui au Bulls? Il a moins révolutionné. Ils ont gagné sans lui, frérot. Tu l'enlèves, il gagne sans lui. Non. Pour moi, le plus grand basketteur. Il y a un délire. La vérité, c'est que. Il est moins emblématique que Jordan. Voilà, c'est ça. Il est voilà. Moins charismatique. Il a révolutionné son sport, L'autre, il a beaucoup plus fort. Il a fait un peu plus. Il est plus fort. Qui a fait plus gagner deux fois son équipe à la dernière seconde? Dans le Money Time. Après, c'est Benzema. LeBron, il en a plus. Non. Et sur la tête de ma mère, LeBron, il a plus de victoires. Quelle mère? Laquelle? Oh putain! Oh, ils sont insupportables. Non, mais c'est un peu comme la question Tyson Ali en fait. Haaland vs Mbappé. Moi je préfère Mbappé. Hein. Ouais, ben Mbappé parce que c'est le côté chauvin français. Ouais. Après, pareil, si on suit son raisonnement. Oui, il a marqué plus de buts, Haaland. Qui? Tu le fais bien? Regarde. Mets un bonnet. On dirait Ragnar. Qui? Haaland! Et qui? Mbappé, Haaland. Haaland est plus fort actuellement. Voilà, c'est les chiffres qui parlent.
Ouais, mais je sais pas, moi, il y a un truc de sensibilité aussi, d'émotion, de... C'est pas qui est le plus fort, qui te marque, toi. Moi, c'est Mbappé. Il a un jeu plus complet qui me fait kiffer. Il a fait moins de choses. Hollande a fait moins de choses sur le plan international. On est équipe nationale et tout. Il est tout seul, frérot. Mais et à qui moi, il est tout seul maintenant. Dans son équipe, il est seul. Ah, en Norvège. En Norvège, oui, frère. Le mec, il est pâtissier, le numéro 10 de Norvège. Mais pour l'instant, c'est Odegaard, il joue Arsenal. Oui, les gens, ils disent, oui, il n'y a pas de Coupe du Monde, il n'en aura jamais, ça, c'est certainement, le pauvre. Mais le pauvre. Le pauvre, parce qu'il est méritant. Attends, ce qu'il fait en ce moment, c'est énorme. Mais bon, je suis avec mon gars Mbappé. Parce qu'Mbappé aussi, ce qu'il fait aussi, c'est énorme. Là, le match contre la Juve, je sais pas si vous avez vu le match contre la Juve. Le but qu'il met. Une pression qu'ils mettent la Juve pendant les 15 premières minutes, ils mettent son but à la 14e, je crois, comme ça. Je sais pas. C'est le premier but. Non, frérot, il touche pas un ballon. Le seul ballon qu'il touche, c'est un contrôle manqué. C'est ça. Il touche pas de ballon sinon. Deuxième ballon qu'il touche, frérot, c'est à la 14e. Il reçoit la balle. Oh, petit accélération, petit crochet. Bon. L'autre qui s'accroche, qui fait du jet ski. Waouh, de ouf. T'as vu, il a fait du jet ski là. Jet ski, moi. Petit pont, jet ski, crochet. Tu sais qu'il a fait payer à la fin. Il avait pas touché de ballon, frérot. Qui a l'arme ? Non, Mbappé. C'est un but. Tu sais, ça m'a rappelé un peu R9, ce but. Quand les mecs l'accrochaient et continuaient. À Barcelone, c'est ça, ça. Tu vois ? Là, il était bon. Et Pierre a un front. Tu sais qu'il est super. Tu sais que c'est un bête de mec, hein. Ouais, je sais. Il est au parc de temps en temps. C'était une idole. Ça, je l'ai vu la fois au parc. Il s'est tapé ta mère, lui aussi ? Ah ouais. Je vais me lever, je vais t'enculer. On va se mettre dans la cage. Tu gardes toute cette haine. Tu sais que, on est entre nous. Ça fait frayer, arrête. Si t'as une gifle à mettre, t'as le droit. On est entre nous, tout va bien. Non, mais il garde pour février, là, son combat. C'est sa manière à lui de me motiver. Okay. Ouais, c'est ça. Nouveau, c'est un peu virulent, mais... Nouveau versus, Jules ou Nino ? Jules, frérot. Jules. Mais c'est fou, là. Nino, les gentils. Bah, moi, je vais dire Nino, par exemple. Ah, t'es un suceur. C'est un versuceur. Tu parles de ma sensibilité à tout ce qui... C'est vrai que... Bah, Jules, hein. Ah bah oui, Jules. Merci. Parce qu'il t'a menacé. Non, il a plus de classiques, il a fait plus de trucs. Ouais, non, mais ça, oui. Il influence plus la musique que Nino. Il a plus vendu. Par rapport à la force de frappe. Ouais, la force de frappe. Je suis d'accord. Et Jules, il en a droit, typiquement, de moins aimé. Comment tu es fou, il arrive en T-Max du ciel. Du ciel, il arrive en T-Max. C'est ridicule. Mais c'est pas mal. Non, c'est éclaté, mais ça correspond bien à son image. Il est vrai, par contre. Gad ou Jamel ? Gad Elmaleh. Dur de répondre. Qui a plus marqué l'histoire du stand-up ? Mais frérot, Gad Elmaleh, il est là, il joue encore. Jamel. De quoi ? Jamel, il joue. Non, plus simple comme question. Qui est ton préféré ? Ah, bah là, on a la réponse. Moi, Gad Elmaleh. mais c'est très dur de répondre. Poteau. Très, très dur de répondre. Non, on va pas se mentir. Pour qui tu vas payer une place pour aller voir le spectacle ? Les deux ? Là, en 2022. Mais oui, en ce moment, moi, je te réponds Gad Elmaleh. Oui, forcément. Gad Elmaleh, poteau. Non, moi, j'ai... Qui va te faire gaulerie, là, maintenant, frère ? Ouais. Je te parle même pas de maintenant. Je parle vraiment au prime des deux. Gad, c'est quelque chose... Mais attention, on parle de deux... spectacles et tout. Genre, j'ai retourné sur YouTube pour mettre des trucs et tout. Après, moi, je parle en termes de personne qui a changé son époque et qui a instauré le stand-up. Jamel. Ouais, non, bien sûr. Magnifique. Bah, oui. S'il n'y a pas de Jamel, il n'y a personne qui est là. Booba ou Magali Berda ? Booba. Jimo ou Paul Mirabel ? Jimo. C'est une grosse merde. Arrête. Je veux dire Paul Saint-Sernin. Merci. Ouais. Ragnar ou Bigard ? Ragnar ou Bigard, mais je t'encule, toi. Cette comparaison de merde. Franchement. Non, parce que j'ai eu la chance de faire ta première partie. Si t'arrives à faire. Et vous avez un peu le même public, non ? Non, ouais, non. Il a encore un public. Mais faut pas. Plus sale que Bigard. Non, j'ai un très beau public. Merci. Non, ça va. À ton image. En vrai, toute ma famille est venue voir. Toute la famille de Paul est venue. C'est vrai. Ils sont venus en cheval. Racistes. Tous les Saint-Sernins sont venus. Ils sont venus. Je jure, c'est vrai. Ils sont venus sur des chevaux. Ils sont venus en cheveux. Je dis, ouais, Paul. Les Saint-Sernins sont venus. Ouais, ils sont venus. C'est les Saint-Sernins, exactement. Les Saint-Sernins. Ils rigolaient. Ils entendaient rire après tout le monde. Tu sais, vous savez pourquoi il est complet, ce bâtard ? Il y a toutes ses mères qui viennent le voir. Mais c'est quand même un thème intéressant sans rentrer dans les noms et tout. Il y a de la concurrence entre les humoristes, tu trouves ? Est-ce que tu as une anecdote ? Il y a de la concurrence, Partout, il y a le problème. Partout, il y a des humoristes. En fait, il y a de la concurrence s'ils se ressemblent tous, quoi. Si chacun a son style, il n'y a pas de... Tu sais le problème qu'il y a en fait ? Mathias, il n'y a pas de concurrence. On est dans un truc où tout le monde veut refaire l'autre. Tu sais, on dirait que tu es dans une classe. Aujourd'hui, c'est ça. C'est ça. Ça veut dire, on regarde. Ah putain, Jimo, il a fait une accélération. Ça va apparaître en bob avec des flots super lents. Après, Kéron, il le faisait avant. Avant, les gens voulaient tous être comme Jamel. Ils voulaient tous être avec la main dans la poche. Ouais, c'est ça. Mais moi, quand je commençais, il y a des mecs qui mettaient la main dans la poche. Non, arrête. Je te jure, c'est vrai. Et Redouane, toi, tu as déjà eu peur que tout s'arrête ou pas ?
t'es monté vite. Enfin, t'as galéré longtemps, t'es monté vite. Est-ce qu'à un moment, tu te dis ça va s'arrêter? Tous les jours, je pense que ça s'arrête. Genre, quand toi, par exemple, tu galères 15 ans dans les comedy clubs. Mais je suis déjà vérité, je vois même. Et que tu vois un mec comme Ragnar qui arrive et qui remplit l'européen. Non, je fais de la merde, Guy. Et qui remplit l'européen. Non, mais je me dis. Il m'a donné de la force. C'est sa destinée. Non, le truc de réussir, tu te dis que ça peut s'arrêter à tout moment. Tu vois ce que je veux te dire? Mais tu te le dis? Genre, tu te lèves le matin, tu te le dis? Non. Frère, il m'a fallu 10 ans pour être connu du jour au lendemain. Ça, j'adore cette phrase. Je leur ai dit, si ça met 10 ans pour que ça retombe, moi, ça me va. Ouais. J'étais même mis longtemps à percer que maintenant, j'ai monté pas à pas. Tu vois, c'est pas arrivé. J'ai fait une vidéo, bam, ça a pété. Et ça peut vite. Si tu montes vite, tu peux. Toi, ça a pété en combien de temps, toi? Ça a pété. Toi, c'est l'inverse, toi? Non, mais il a fait plusieurs. T'as fait plusieurs vidéos. Fait plusieurs. Oui, j'ai fait plusieurs vidéos, mais après, non. T'as pas eu que la tarte, t'as fait des vidéos. Ouais, après, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour leur parcours respectif, parce que c'est vrai que c'est dur de se faire connaître dans le stand-up. C'est... Ah, bah, tous les soirs, on va jouer devant des mecs qui nous connaissent. Enfin, moi, je parle pour moi maintenant. Qui te connaissent tous pas. Les soirs, ouais. On me donne de l'argent pour faire des blagues sur du foot, un truc que j'adore. Et je me dis, comme toi, je me dis, j'espère que si ça peut durer 10 ans sans qu'ils découvrent la supercherie. Ouais. Je vais être très heureux. Et le jour où ils vont me dire, au final, on arrête de payer un gars qui fait des blagues à Mbappé juste parce qu'il aime bien Mbappé. Non, mais parce que tu te rends compte. Souvent, vraiment, moi, je me lève tous les matins en me disant, c'est ouf, Paul, en fait. Paul, tu le vois pas que c'est un travail parce que tu kiffes vraiment ce que tu fais. Ouais. Les vannes, elles sont bien. T'as la connaissance du foot, donc ça passe. En plus. Ah, c'est un bon sniper. Non, mais c'est son métier. Les gars. Dis-moi, arrête. Vas-y. Dis-moi que tu m'aimes, putain. Mais je t'adore. C'est bien le format. C'est court, c'est rapide. Ça pique, tu ressors, machin. C'est un bon délire. Ah, puis tu fais très blanc. Écoute bien ça, c'est ce que tu vas entendre quand il va te mettre KO. Ça me redonne beaucoup d'énergie. On est solidaires, mon pote. Je suis content que tu sois arrivé dans le game. Et il y a un sujet qu'on n'aborde pas souvent, mais toi, par exemple, Cyril, il y a un truc de ouf, c'est que t'es devenu, je sais pas si ça te gêne d'en parler, on s'en bat les couilles, mais la veille de ton combat, t'es pas millionnaire, le lendemain, t'es millionnaire. Comment on gère ça? C'est pas un délire, ça? Où est le fric? Nous, on veut savoir. Ferme le rideau. Non, sans dire les chiffres. On s'en fout des chiffres, mais comment tu gères le matin où tu te réveilles et ta vie, elle a changé? La vérité, c'est quoi? C'est que moi, personnellement, j'avais déjà femme, enfant, etc., tu vois, j'avais déjà un but. Ouais. Je savais très bien à quoi servir cet argent. Donc ouais, non, comment je gère, ça va, j'ai la tête sur les épaules. Je sais, mais alors après, ça veut rien dire, parce que t'as des gens qui ont connu un peu, tu vois, la Zermi, et qui au final, avec cet argent-là, tellement ils ont connu la Zermi, qu'ils font n'importe avec. Ils passent d'un extrême à l'autre. Ouais, c'est ça. Ils font de la merde. Surtout quand t'as pas eu d'éducation, c'est... papa et maman, qui avaient de l'argent, tu sais qu'ils font ça, faut faire ça avec de l'argent. Mais après, toi, t'as eu cet argent, t'es pas jeune, quoi. Ouais, j'étais pas jeune, j'avais déjà quasiment 30 ans. C'est là où tu peux dire, ouais, les footballeurs, c'est ça. Les mecs, ils sont millionnaires très très jeunes. Ouais, et même d'autres trucs qui rentrent. Et Dimo, on parlait de Cyril, mais ta vie, elle a changé aussi. Non, mais par exemple, les meufs. Oui, les meufs. Bon, ça a jamais été un problème. Dimo, on peut tout dire. Hein? Mais c'est du tout, frère, ça a jamais été un problème. Non, t'as vu, Dimo est un très grand prédateur. Je l'ai vu en soirée. Je l'ai vu en soirée sous son bob, il est très vicieux. Hein. Moi, il me voyait même pas, tellement j'étais la team. Il regardait à côté de moi, à gauche, à droite. Si je suis un prédateur, il n'y a que des prédateurs ici. Non, gros, qui est marié ici? Tout le monde est marié ici, frère. Tout le monde est marié. Oui, mais vous faites tous marcher la chaîne alimentaire aussi, vous. Quoi? C'est quoi? Ça va pas, non? Mais Ken, tu veux nous Ken? Non, bon. Ok, d'accord, je suis le seul prédateur. Bah oui, t'es un prédateur. Moi, je t'ai déjà vu. Après, j'ai quelques copains. Ouais, des coups. Bah, j'ai fait une bite. Montre la caméra. Vas-y, fais ta blague. Vas-y, montre-moi. Non, c'est un classique. Je fais toujours une top sur un truc, moi. Voilà. C'est un classique depuis le collège. Ah, mais c'est vrai. Mais toi, t'es généreux. Toi, t'as déjà donné à des mecs, je suis sûr. J'ai une liste avec la tête des gens qui me doivent des sous. Non, mais toi aussi, t'as dû le vivre, ça. Ouais, moi aussi, j'ai vécu. Ah, mais c'est entre eux. Mais vous, c'est entre eux, vous voulez passer. Ouais, il n'y a personne, ils sont tous blindés, frère. Les Saint-Sernin. Les Saint-Sernin. Tu sais que, voilà, Paul, je veux 200 000. Mais évidemment. Bien sûr, enfant. Me laisserais-tu un délai d'une quarantaine de jours? Tiens, voilà, allez, vas-y, on s'en bat les couilles. On arrive à la fin de l'émission. T'as un stylo. Écris, on va faire le jeu qu'on faisait quand on était petit, mais là, ça va être drôle. T'es prêt? T'écris. Comment ça me faire chier dans ce lot? Bon, allez, mon Mirail, donne-moi ton papier. T'écris, tu montres pas ce qu'il y a écrit, on met sur le front de Redouane et on fait tous pareil. Moi, je l'ai deviné. Voilà. On fait chacun notre tour. Et je le colle et lui, il voit pas. Donne, ouais. Tu le mets sur son front et il voit pas. Rends pas qu'il voit. Ouais, mais c'est frère. Mais qu'est-ce que t'as, vas-y, Paul? Vas-y, vas-y. Mais non. Non, mais il va pas deviner. Ah, ça va tomber. Sur la vie de ma mère, j'arrive à lire. C'est marqué quoi?
Fils de pute, il y a un PSG. C'est mignon. C'est pas gras, c'est pas vulgaire. Enfin, c'est un t'es, peu... t'es une merde. Vas-y, mets une t'es personne. Une ok, tout le monde a son post-it. Vous connaissez. Il a mis un truc dans les cheveux. Vous connaissez tous le truc. Tu poses des questions, tu réponds que par oui ou par non. Vas-y, une question chacun. Est-ce que c'est un joueur de foot? Non, à toi. Est-ce que c'est un combattant de MMA? Non. Est-ce que c'est un humoriste? Oui. Est-ce que c'est un humoriste? Non. Est-ce que c'est un rapport avec ma mère? Non. Oui, peut-être. Moi, je pense que oui. Bande de merde humaine. Ça, est-ce que c'est un humoriste? Oui. Est-ce que c'est un sportif? Polyvalent. Oui. Est-ce qu'il fait du stand-up? Oui. Est-ce que moi, c'est un acteur? Non. C'est là. Il y a beaucoup d'infos pour Jimo. Hein. Ouais. Est-ce que c'est un... Ah, bâtard, il a lu. Fais gaffe, il va tomber ton truc. Hein? Fais gaffe, il va tomber. T'as pas regardé ton truc, sale bâtard. La vue de ma mère, j'ai pas lu. Appuie arrête sur ton machin. Arrête de regarder ton truc. Vas-y, Paul, touche-moi. Oh oui, Abdel. Appuie, il va tomber. Ah, mets le bonnet. Ah, on l'a vu, de toute façon. Sale gouère. Voilà. Vas-y, pose une question. Est-ce que c'est un rapport avec le foot? Non. Non. Est-ce qu'il est très connu? Ah oui. Oui. Est-ce que je mesure plus de 2 mètres? Non. 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 Oh, d'accord, je crois que j'ai compris. D'accord. Quoi? Bougura, bah, espèce de sac à merde. De quoi? Il y a quoi? Sac à bite de Marseille. Crevure. Non, c'est lui. Non, c'est pas lui. Qui a eu l'idée de mettre ça? Non, moi. Non, mais bon, Ah, là, t'as compris, là? Bah, je commence à comprendre, connard, oui. Est-ce que je le connais personnellement? Oui. Ah bah il fait du cheval avec toi. Oui. Est-ce que je suis un personnage fictif? Non, t'existes. La tête d'homme, j'ai trop bien trouvé le sien. Ouais, ouais. Il est trop marrant. Est-ce que c'est un rapport avec Nantes? Non. Il est super aussi. Comment ça, je comprends pas. Non, non, mais casse pas les bonbons. Ça a rien à voir avec Nantes. Non, mais la première question sur ta mère, oublie, ta mère le connaît pas. Est-ce qu'il joue son spectacle? Est-ce que je suis né en Bretagne? Cette émission de la mort. Ouais, y'a moyen. Ouais, y'a moyen. Bon, j'ai trouvé. T'as trouvé? Ouais, je pense. Dis-nous. T'as le droit de le dire maintenant? Bah non. Ok, dis pas. J'ai perdu si je me loupe. Attends, je continue, j'ai un peu d'avance. Putain, j'ai pas de questions. Est-ce qu'il est. C'est un ancien humoriste de la génération au-dessus de nous? Non. C'est à notre génération? Ouais. Ok. Est-ce que c'est un rapport avec le sport? Non. Non. Putain, mais c'est quoi ce truc de merde que même quand je comprends pas, moi? Non, à moi. Est-ce qu'il a une main morte? Non. Est-ce qu'il porte un bonnet Nobis actuellement? Non. Non. Putain, je sais pas. Est-ce qu'il est chroniqueur télé en ce moment en plus d'être sur scène? Pas télé. Chroniqueur, il est. Radio. Chroniqueur. Ok, ouais. Merci. Radio. Ouais. Est-ce que je suis un mec médiatisé? Très médiatisé. Ah bah oui. Très médiatisé. On peut faire plus, hein? Ouais. Est-ce que ça a un rapport avec le sexe? Non. Non. Non bah attends, c'est bon, c'est casse-couille là, c'est quoi ça? Il y a des catégories que t'as pas donné de socio-professionnels. Merci Paul. À toi. Connard, il est fou, oui. Chier la gueule. Est-ce qu'il fait partie de la communauté? Ah bah dis. Ah non, je comprends pas ce que tu veux dire, je comprends pas. Alors moi, Redouane, avant de parler de communauté, je vois un Français. Est-ce qu'il est juif? Oui. Avant tout. Je crois. Et est-ce qu'il est encore actif dans le sport? Parce que ça... Non. Il a arrêté. Est-ce que je suis en ce moment sur RTL? Non. Non. Est-ce que c'est un Renan? Oui. Ouais, c'est un Renan. Est-ce que ça n'a pas rapport avec le foot? Ouais. Ça n'a pas de rapport avec... C'est pas forcément quelqu'un qui te ressemble ou quoi, hein? Non, c'est pas, ça n'a pas de rapport avec le foot. Pas rapport ressemble, ressemble. Avec Madaron, pas de rapport non plus? Non. Peut-être. Question. Frère, ça, je sais pas, ta daronne, où elle était. Est-ce que ça a un rapport avec un lien familial? Non. Peut-être. Non. Attends, mais qu'est-ce que ça veut dire quoi, un beau-père? Un beau-père. Oh! Un beau-père spirituel. Non, mais de qui? De toi? Ouais. De toi? Un beau-père spirituel. Ouais. Non. Ouais, membre de ta famille. T'as aucun lien familial avec toi, avec aucun de nous? Non, aucun de nous. C'est un mec? C'est un mec? C'est un homme. C'est un homme. Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen. C'est ça? Ouais. T'as regardé. Non, la tête de mes enfants, j'ai pas vu. C'est un menteur. Putain, quel bâtard. Mais du coup, alors, il y avait un lien avec ta daronne ou pas du coup? Jean-Marie c'est spirituel. Le Pen. Tu vois, spirituel comme il est parti. Spirituel comme il est parti. Spirituel, direct, il l'a trouvé. À moi, les amis, est-ce que
il a joué le personnage de Mickeline. Non. C'est pas Elie Semoun. Au moins, vous m'avez dit, c'est un sportif. Ouais, ouais. C'est un footballeur. Pardon, c'est un sportif. Ah putain. C'est un footballeur. Putain, mais toi. C'est un footballeur dans la région de Nantes. Bon, réfléchis bien, tu vas voir, ne casse pas trop les couilles. Va droit au but. Pense Nantes, football, sodomie, tu vas trouver, vas-y, va. Putain, je vois pas. Me lâche-toi, Cyril. Mais si, il va pas. Tu vois pas, mais attends qu'on arrête tout. Non, attends, pose une question, il a pas posé de question, là. Pas sa question. Tu l'as, Cyril. Juste que t'oses pas le dire, mais tu l'as. Je te jure, je le vois pas qui c'est. Va au bout des choses. Putain, j'y croyais pas trop à ce jeu, en fait, il est mortel. Frérot, je le vois pas du tout qui c'est. Je parle de sodomie, de football. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. C'est un Renoir ? Non, non, que Dieu me protège, non. Est-ce qu'il est sur France Inter ? Oui, je crois, non ? Ouais. Mais comment je différencie les humoristes ? Bon, écoute, Paul, tu fais un effort, tu nous touches. Je vais demander si c'est un blanc en Renoir à la fin. Voilà, voilà, c'est ça. Est-ce que c'est un blanc avec des cheveux blonds longs ? Tu veux, bah, c'est voilà. Ta prochaine question ? Qui a un prénom dans 4 lettres. Exactement, oui. Ouais, c'est la prochaine question. Tu c'est pas le Mirabel. Bim ! Oui, enfin, ouais. C'est ma faute, tu vois. Vas-y, fais quoi comme métier, le mien ? Hein ? Non, pas de question. Dis-toi juste, le tien, c'est l'inverse de toi, frérot. Vas-y, dis-moi. Le tien, c'est l'inverse de toi. Ah, les Sean Balls. Ah, t'es marre, t'as vu ça ? Ça va trop vite. Il reste vous deux, les gars. Putain ! Est-ce que j'ai fait sa première partie ? Non, mais grâce à lui, t'as eu des opportunités. Un réhabitant. Oui, j'ai repris la cigale quand il est... Allez, bâtard. Frérot, je ne connais pas un fou. Alors, Cyril, je vais te donner un indice. Renoir. Non, il est blanc. Ah, il est blanc, du coup. Sodomie. Sa daronne. Non, ma daronne, je t'en prie. Non, sodomie. Ah, putain, bâtard. Bon, au bout de ta pensée, Cyril. Ouais. Mais il n'a pas écrit son nom, il a écrit l'intitulé de ce qu'il a fait dans la vie. Ah putain, le c'est mec. C'est dans son rêve, lui. Le mec qui a rendu cocu le père de. Regarde ça. Hey ! Ah, oh, mais t'es un petit cas de ah putain, je suis désolé. Non, mais pas de problème. Mais au bout de ta pensée, j'y étais pas du tout. Bah ouais, mais toi, tu me donnes un truc. une personne connue ? C'est qui ? On sait même pas qui c'est. Je sais plus comment il s'appelait. Ah, on va éviter de dire ça. Merci les frérots. C'était génial. Merci d'être venu, gros. Bon, bisous. Ciao. Ouais, merci. Edouane, faut que tu mettes ce manteau. Je te l'offre. Tu m'offres ça ? Oh, merci. Oui, il est beau celui-là. Les gars, il est beau ou pas celui-là ? Écris quoi ? Ouais, il est beau, non ? Marie, gars. Oui. Mais non, c'est pas vrai. Il a mis 20 minutes à le voir. Il se regardait, il était comme ça, il me va bien, non ? Il est beau gosse, non ? C'est bien, je vous vois.